Good morning, allez, idem, je suis aujourd'hui le Nishmat, François Fajib Ben Khana, Jalin Ruin Batforton Mzal Fritna, Claude Shalom Ben Shalom, Misharia Ben Elio Ben Nish, et Simcha Batsar. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Brachot, Perek Gimel Mishna Bet, Kavuet Amet, Chazrou. Im Yecholim, Latril Veligmor, Ad Sheloya Giula Shura, Yetchilou. Aondim Bashura, Achitsonim Chayavim, Achitsonim Chayavim. Suite et fin du sujet de l'enterrement et du devoir de lire le Kriyat Shema ou de faire la Tfila. Pour rappel, à Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, lorsqu'on est occupé en train de faire une mitzvah, si on n'a pas la possibilité d'accomplir les deux pleinement, calmement, avec concentration, on est dispensé celle qu'on est en train de faire en ce moment, on fait notre mitzvah et on est dispensé de l'autre. On avait parlé dans le périple précédent du Khatan, le soir de son mariage, et les soirs qui suivent même. Et maintenant, dans la mission précédente, on a parlé de celui qui est occupé à enterrer un mort, qu'il s'agisse des proches parents, des onénim, ou qu'il s'agisse même des personnes extérieures, ou des gens qui sont juste venus pour donner honneur aux défunts, ou à la famille. Ils sont là pour participer à l'Elvaïa, ils sont en ce moment tous occupés à Sukim Bamitzvah, Pturim Bamitzvah. On avait vu dans la mission précédente des différences pour le Kriyat Shema ou pour la Tfila. Il y a les personnes qui sont indispensables pour l'enterrement, qui sont en train de gérer la circulation. Eux, ils sont dispensés du Kriyat Shema. Tant qu'on n'a pas enterré le mort, les personnes qui sont là pour donner honneur, donc ils ont la possibilité, eux, de donner honneur et de se retirer 2 minutes sur le côté, lire le Shema et revenir, dans ce cas-là, ils ont le devoir de lire le Shema. Par contre, ils sont dispensés de Tfila. Ça, c'était la mission précédente. Maintenant, on s'intéresse après l'enterrement. Kavu et Amet Vechazrou. Ils ont enterré le mort et après ils sont en train de revenir. On a enterré le mort là-bas, dans le cimetière même. Et puis maintenant, on va revenir à l'entrée du cimetière pour ensuite aller présenter les Tanchumin, les condoléances aux endeuillés. Donc c'est aussi une mitzvah maintenant d'être Menachem, les endeuillés. Alors, on a pour le moment, faites attention, on a pour le moment 2-3 minutes de revenir depuis le cimetière jusqu'à l'entrée du cimetière. On a peut-être 2 minutes. Peut-être qu'on a la possibilité de lire le schéma rapidement. Lire le premier schéma, le premier passage du schéma. S'arrêter, le lire. Ça prend 20 secondes. Et après, tu peux lire. Tu peux dire les 3 parachiotes même, le temps qu'on revient à l'entrée du cimetière. Peut-être qu'on a le temps ou pas. Alors, Im yecholim latril veligmor, ad shelo yagiu lashura, yatrilu. Si on a le temps de débuter et terminer le schéma jusqu'à qu'on arrive à la Shura. La Shura, on avait expliqué, on fait des rangées ensuite à la sortie du cimetière. On fait des rangées de personnes qui vont accompagner le mort. Il y a ceux qui sont en tête pour représenter, il y a des gens qui sont là. Il y a une foule qui est là avec plusieurs rangées. Donc il y a ceux qui sont le plus proches, en général les plus proches parents, les plus proches amis, ils sont là. Et ceux qui sont là pour donner plus honneur de figurants finalement, ils sont là pour venir... Ils sont là, mais dans le côté, ils sont indispensables, ils ne sont pas en train de parler avec le mort. Imaginez, ça peut être des levayotes avec des fois des 3000, des 4000 personnes. On est tous là pour donner honneur. Il y a les personnes qui sont indispensables les plus proches. Après, il y a plusieurs rangées. Donc, etche lifne, etche, etche, donc, et on est là. Omdim, non, excusez-moi, je reprends. Imicholim la trail velegmor, etche lo yagi ou la shora yatrilo. Si on a le temps de démarrer, donc, je reprends. Si on a le temps de démarrer le schéma depuis le cimetière jusqu'à qu'on arrive à ces chourotes, on fera le schéma. Sinon, on ne fera pas. Maintenant, Aomdim Bashura. Une fois qu'on est Omed Bashura, une fois que maintenant on est tous revenus du cimetière, on est tous là devant le mort. Apnimim Turim, Vachitsonim Chayavim. Les gens qui sont le plus à l'intérieur, donc les plus proches des endeuillés, en train de leur parler, de consoler, ils n'ont pas intérêt à faire maintenant le schéma, c'est pas le moment. Sa mise à maintenant, c'est de présenter. De parler avec l'endeuillé, de montrer qu'on est là de tout cœur avec lui, donc c'est pas le moment de dire le schéma. Par contre, achitsonim, ceux qui sont plus externes, plus éloignés, ils ont la possibilité, ils sont que figurants, donc ils peuvent facilement faire leur schéma, et puis murmurer le schéma sans que ça dérange, sans qu'on voit qu'ils sont en train de faire le schéma. Donc dans ce cas-là, ils seront imposés de faire la mitzvah, de lire eux-mêmes le schéma, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.